Bonjour YouTube, rediffusion de live Twitch. Il y a tout le monde sur le chat là, c'est la folie. Hein. Seb est présent, ça peut tourner au drame à tout moment. On parlait de la RKP, Luzo qui teste la RKP. Allez voir la chaîne de Luzo. Luzo, tu feras une vidéo. Hein, allez voir la chaîne de Luzo, hein, les gens. C'est pas mal. Et bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir. Alors aujourd'hui, petit scénario perso en 26 000, donc on va la démarrer. Hein, vous connaissez la procédure. Et c'est Trytrain, bienvenue. Hop, hop, le panto. Ah, compresseur auxiliaire. Hein. Alors je sais pas si vous l'entendez bien. Voilà. Ça monte quand même assez rapidement. On avait quand même pas mal de pression. Et salut Florian, bienvenue. Hop. Disjoncteur, on va. C'est quoi ce bruit? Ah, ok, c'est la V2N qui part. Je sais quoi ce bruit? Alors, KVB. Bon, non, manœuvre, je sais pas s'il faut le valider quand même. Pour les essais. Est-ce qu'il valide le KVB avant de faire les essais? On va se mettre au pied, je crois que c'est 0,57. Hop. Non, l'autre sens c'est mieux. Voilà. ME, validé. Voilà, on met le frein en service. La 127 est tellement présente sur TS, ça peut être pareil en réalité. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais elle roule encore, faut en profiter, hein. VR2N, pas VO2N. Ah ouais? VR2N, ça s'appelle ça? Faut être tellement non bizarre. Parce que VO2N, c'est pas. Si, VO2N, ça existe. Bref. Question de peu d'importance. 26 000 ou 67 000? Les deux, mon capitaine. Les deux. Vous me perturbez là, on va faire les essais. Mettre les feux déjà. On va passer derrière, mettre les rouges. Oui, c'est cela. Hop. Alors, essai VA. Peut-être desserrer les freins d'abord. Ah merde, c'est pas le bouton. C'est celui-là, c'est VA. Mieux. Voilà, nickel. Ah, ça, VO2N en Normandie et VR2N en Nord-Pas-de-Calais. Ça va être compliqué, hein. On peut pas faire comme tout le monde. Allez, je sais pas s'il faut attendre que ce soit à zéro ou si on peut renclencher une fois qu'on a vu que ça a bien chuté. On va mettre un peu les essuie-glaces quand même. Le bouton violet sur le KVB, c'est pour le mode manœuvre. Et salut Ritrag, bienvenue. On va desserrer. Hop. Là, on attend que la Vacma fasse son petit bruit. Et salut Corentin, bienvenue également. Bienvenue ceux qui rejoignent. Hein. Bonjour à tous. Est-ce quand tu veux. Ah, c'est long, hein, 55 secondes. Hein. Faut attendre d'être sous un bar avant de réalimenter. D'accord, merci Seb pour l'info. Donc un bar. Bon ça va, j'y étais du coup en dessous d'un bar, non? Hop, SAVA terminé. Autotest KVB. Test ici. Voilà, nickel. SUTNT, bienvenue. Donc un bar, on a dit. On va attendre un bar. Voilà. Bon bah tout se passe bien là. Donc on va aller récupérer les wagons qui sont à côté.
Qu'est-ce qu'il me reste comme essai à faire? Frein d'urgence. C'est bon. L'autre. C'est bon. Voilà. Et bah écoutez, on peut y aller. On peut y aller, on peut y aller. Paf, 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 ça c'est tout bon. J'avais la VA pour le live, c'est mieux. Hop. Desserrage des freins. Tu iras sur Mass Troy en live, pas aujourd'hui. Et salut Papik Forever, bienvenue, c'est les Xeroxy. Bonsoir, bonjour à tous. Quoi, qualité de conduite, ça se voit qu'il y a... Ça, c'est un truc que je comprends pas. On est au pied. On s'en fout de la qualité de conduite. Si je veux faire un 0 à 126 000, je le fais. Vous savez que ça accélère très vite une 26 000. Ah, les 26 000, ça accélère très très vite. Hein. Moi, je vous le dis. Tu sais s'il y a un décalage, c'est-à-dire... Dites-moi pour le son de jeu s'il est assez fort pour vous. Je pense qu'il est assez fort. Ça sent le vécu, ça. Ah bah oui, mais c'est sûr, le 0 à 100 à 26 000, c'est... c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Ouais, je peux réduire la perte de points, ouais. Mais faut que je déconfigure. Faut que je déconfigure. Et là, c'est juste. Le scénario est juste. De toute façon, il marche pas le scénario parce que les signaux sont buggés. Du coup, voilà, il servira juste à ce live là. Hop. On s'arrête. On met les rouges, on enlève les blancs. Paf. 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 Et paf. Hop, on change de cabine. Eh, merci, Papik Forever. Enfin, merci. Merci à Seb qui offre un sub à Papik Forever. Merci Seb pour le sub. Et merci pour le follow, Ritrack. Bienvenue. Bienvenue à tous. Ça y est, ça commence, comme dit Luzo. Hein. Ça commence. Merde, je fais n'importe quoi du coup. Voilà, merci à tous. C'était sympa ce live, hein. Je vais arrêter déjà. Aïe 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 aïe. Pourquoi j'ai les deux d'enclencher là? Il n'y a pas de lien de donation, non, les donations se font avec les tirs. Tu nous tapes tir, celui de la somme que tu veux en tir. C'est la monnaie Twitch en fait. Et c'est le seul moyen de donation qu'il y a sur la chaîne. Sauf pour Seb. Il comprendra. Bah écoutez, c'est tout bon là. Ah, j'ai plus de son. Ah, c'est bon. Ah, c'est TS, hein. Vous savez, les bugs de son dans TS. Hop. Les essuie-glaces. Sémaphore. On arrive sur voie occupée, donc c'est normal. Franchissement à 15 km/h. Quelle commande? Chir. Attends. Tir. Tu remplaces XXX par le nombre de bits que tu veux mettre. Et voilà. Ah merde, j'ai pas quitté du coup. Ah mais j'étais sur le chat là les gens, hein. Excusez-moi. On peut pas tout faire, hein. On peut pas être attendez. Ah voilà. C'est bon, on est reparti. Non, faut mettre tout attaché avec le montant.
Y a pas d'espace. Elle est vraiment belle cette machine. Hein. Vivement, elle est à 22 200. Donc là, on va s'accrocher à la rame qui est là. Le scénario se passe où? C'est sur la ligne du nord. Là, on est à Maubeuge. Regardez cette précision. Voilà. On appuie bien. Voilà. Hop, hop, hop. Pourquoi je suis pas accroché? Ça m'a poussé. Attendez, ça m'a repoussé, je crois. Ah merde, ça c'est le nôtre. Mauvaise touche. Voilà. Eh, merci pour les bits, Ritrack. Merci à toi. Est-ce que je peux accrocher là ou pas du coup? Oui, je peux accrocher, parfait. Voilà. Ah, c'est pas si il fait les 22 200, c'est il va les faire les 22 200. Quel fanage de qualité où tu as appris ça? J'ai appris ça nulle part. Ça se voit d'ailleurs, je pense que j'ai appris ça nulle part. Disjoncteur, quanto. Hop. Je sais même à quelle heure faut faire pour couper. Hop. Ça sert à quoi les bits? Les bits, en fait, c'est la monnaie virtuelle de Twitch. Voilà, voilà. Et après, si tu es dans le top tier, tu as un badge. Non, pas ça. Ça. Ah, le pantographe, peut-être, c'est pratique. Ah, vous me déconcentrez, Twitch, là. Hein. Alors, on fait 152 mètres, donc 200, je sais pas, ça veut dire 0,77 ou 1 mètre, on MA, validé. Hop, on alimente les freins. Ah, les rouges, on les enlève, on met les blancs. Voilà. Eh ben écoutez, on devait partir à quelle heure? À 49. Non. 42 on devait partir. Il est 32, on a 10 minutes d'avance quand même. On va faire 27 freins quand même. Donc on serre la lock, on desserre. Voilà. On se met sur neutre, on regarde si on n'a pas de fuite CG. Et salut Tony Montana, bienvenue. Il fait toujours beau sur l'île du Nord. Ah bah oui, bah l'île du Nord, voilà, hein. La météo est en circonstance. Et la 22 200, comment ça se passe? C'est-à-dire. Et salut Régostis, bienvenue. Il fait beau, bah bien sûr il fait beau pour le Nord là. Ah, je troll. On a le droit de troll ou pas? un petit peu quand même. Bon, on va dire que ça fait une minute, hein. Il n'y a pas eu de fuite CG, donc on est bien. Hop. Et on serre pour les 7 freins. Donc là, on va dire que c'est un essai de continuité. Donc il y a un agent
qui est derrière, hop, qui va vérifier le serrage de chaque essieu. Hop, ça c'est bon. Hop, là c'est bon, là c'est bon, voilà. Ensuite, il passe derrière, hop, voilà. Il vient ici, voilà. Bon, c'est dur à faire sur TS, hein, voilà. Et il ouvre le robinet d'arrêt, ce qui provoque une fuite CG. Voilà. Il la développe bien, oui, il l'a fait, il est en train de la faire, hein. Regarde sur Rework Central, il y a des captures d'écran si tu veux. Donc là, voilà, fuite CG, c'est normal, on vidange la CG. Est-ce qu'on a le. On voit pas le. Les réservoirs. Voilà, donc fuite CG, enfin voilà. Ensuite, donc là, le conducteur, ça tombe à 0 bar, du coup, il réalimente. Ah, par contre, faut que j'enlève ça. Voilà, il réalimente. Hop, desserrage. Toi, tu restes serré. Merci. Hop. Ce qui, du coup, dessert les wagons derrière. Et voilà, l'agent, il vérifie que les wagons sont bien desserrés. Hop, là, c'est bon. Paf, paf, paf. Là, c'est bon. Hop. Et là, c'est bon. Voilà. Et ce sera terminé. Du coup, on peut y aller. Alors, c'était pas un essai complet. C'était une continuité. Parce qu'on vérifie que le dernier wagon. Hop, hop, hop. Et bah, écoutez, on y va. Desserrage du frein direct. Marche avant. C'est bon. On y va. Non mais allez, le wagon était là depuis moins de 24 heures, c'est bon, continuité. Hop, on tractionne un peu, donc on est un peu lourd, hein. On va faire un essai de roulage, voir si le train ne freine pas tout seul. Donc là c'est bon, on peut y aller. 30 km heure. On fait combien de tonnes déjà? 739 tonnes quand même, hein. Ça commence à faire un petit peu. % RP. Ah bah toujours. Ah toujours 100% RP, hein. Qu'est-ce qu'on a comme amende si on regarde son téléphone en conduisant un train? Alors, il n'y a pas d'amende, mais t'es viré. Voilà, grosso modo. Voilà, donc on a le départ, on y va. Et c'est le point G, 34 790, bienvenue. C'est quelle heure là? C'est 10h36. Donc on devait partir à 40, c'est ça? Ah, non, quelle heure on devait partir? À 42. Donc on a grosso modo 8 minutes d'avance. 6 minutes d'avance, pardon. Nicolas Avrion, non, je connais pas, non. Ça me dit rien. Est-ce le Xenix, bienvenue? Tu comptes faire quoi comme scénario avec la 22100 quand elle sera sortie? Bah, bonne question. Ça dépendra quelle version sort et ça dépendra quelle ligne il y aura quand elle sortira. Je peux pas prédire l'avenir, donc je peux pas te dire. Ce serait bien si on peut prédire l'avenir quand même. Il a amené la rame Noah à Paris-Est. D'accord. D'accord.
C'est dommage que ces wagons fassent pas de bruit. Il fait des belles photos sur Insta, bah j'irai voir ça alors. Donc là c'est 30, hein. On est encore sur des voies de service. Petit vue extérieur quand même. On est sous le bois. S'il faut aussi la 22100 R pour un omnibus à une heure avec les VR de Zen. Bah ouais, pourquoi pas. Faudrait lui dire qu'il fasse la version R et puis voilà. Pas enfin, RC même. C'est la version RC pour les VR de Zen. Ce scénario dure combien de temps? Je crois qu'il dure une petite heure. On va voir. Hop, là on peut reprendre à 60. Alors il y aura un bug de vitesse, hein, ça va me dire que je roule trop vite. Parce que la vitesse est mal réglée, j'aurai un 30. Du coup je vais perdre à peu près 2 millions de points, mais c'est pas grave. On va faire comme si on n'avait rien vu. Voilà, par ici, je vais avoir un 30 km/h sauvage qui va apparaître. Voilà. Et je vais perdre 2 millions de points. Combien de tonnes? J'ai 732, c'est ça? 739 tonnes. Et c'est le Funty, bienvenue! Bah, 30 km/h sauvage, bah c'est ça, hein. Voilà, moins 3000 points, record battu. Alors, R, c'est réversible par multiplexage. Je dis pas de conneries. Et RC, c'est réversible câbleau. Donc, c'est pas le même type de réversibilité. En fait, le multiplexage passe par les câbles d'interphonie. Donc la réversibilité marche par interphonie. Et les RC, donc réversibles par câbleau, c'est des câbleaux spécifiques. Ça fait du bien d'acheter des chevaux de la 26 000 quand même. Hein. Là on sent qu'il y a de la puissance. Est-ce que le son du jeu est pas un peu fort pour vous? Peut-être le baisser, non. Voilà, je l'ai baissé un peu. Je pense qu'il est bien là. Ah, enfin une vue de profil, une vraie. Ah oui, là pareil, celui-là logiquement c'est un. C'est un ralent 30. Mais il marche pas.
Donc là, on va arriver à Feni. Et on va déposer notre âme et on va prendre une autre. C'est un scénario qui se base beaucoup sur la manœuvre, en fait. Tu sais, la manœuvre, ça me connaît, tout ça, tout ça. Non, parce qu'après, en fait, c'est du 3000 volts. Donc on peut pas continuer avec la 26000. Sauf si on la fait exploser. Ce qui n'est pas le but, quand même. Du coup, on va s'arrêter ici. Hop, voilà, on est à 30. On dessert. Dommage qu'il fasse pas être la 36000. Ah, 36000 aurait tellement été parfaite sur la ligne du Nord. Ça aurait été vraiment la locomotive. Paf paf paf, un peu sur l'aérostatique. Ah, mais c'est clair que la 36000 ça aurait tellement été parfait. J'ai pas le bruit d'acquittement par contre. Mais la Signa est un poil buggée, c'est dommage. C'est dommage que c'est une belle map. Instant ASMR avec ses wagons. Sinon, je suppose que les TG ne comptent pas faire de patch correctif pour le TGV réseau. Alors, ils l'ont annoncé, mais ils l'ont pas fait. La 36000 est apte 3000. Ouais, c'est ça. La 36000 est apte 3000, 1500, 25000. Bien s'arrêter au pied du signal parce que la voie est assez courte. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Nickel. Alors, desserrage du frein direct. Marche arrière. Traction. On appuie la rame. Hop, on serre. Voilà, on peut couper les wagons. Voilà. Erreur de conduite. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur de conduite alors que j'ai... C'est mon scénario, je sais bien ce qu'il faut que je fasse quand même. Voilà, incroyable. Hein. Incroyable, incroyable. Alors, traction, c'est bon. J'aurais peut-être dû couper avant de changer de sens. Desserrage. On a le blanc cli, on peut avancer. Hop, on s'arrête là. Hop. Paf, 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 paf. C'est ça que je voulais faire. Le panto. Marche avant. Non, pas marche avant. Je vais la passer trop vite la marche avant.
Ok, ouais, c'est ça, c'est bon. Pas besoin de valider quand on est en manœuvre. Les blancs. J'aurais bien la 26 000 sur l'intérieur sur TS en V200. Bah, il faudrait la ligne. Tu n'as pas mis train IS sur ton scénario. Si, si, il y en a. Il y en a, il y en a. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Je représente le trafic fret actuel en France. Donc pas beaucoup, mais il y en a. Hop, voilà. Traction. Tout est desserré. C'est bon, on peut y aller. On a le blanc. Là, j'ai un peu vite. J'ai un peu trop accéléré quand même là. Ah, par contre, j'ai le bug la boîte à levier. Ça me le fait que sur ce scénario-là. C'est incroyable. Des fois, tu te dis TS sur un seul truc, ça peut tout faire merder. Ça me fait le bruit en fait en permanence de la boîte à levier à chaque fois que je change de vue. L'appareil se carré, il s'ouvre pas. Alors pour le jeu, il est ouvert, mais pour moi, il est fermé. Et alors, statique en manœuvre, je suis pas sûr que ce soit réglementaire. Si, si, ça passe. Ça passe. Tant que tu freines. Hop. C'est tout bon. Donc franchissement à 15 km/h. On s'arrête ici. J'ai pas entendu le pétard. Ah bah ça ouais, bah heureusement, ça casse un peu les oreilles ça. Tac, tac. Tac, ouais, c'est bon. Voilà. J'ai bien attendu. Ah bah ça a pas fait le bruit, ok. Je vais attendre que ça tombe bien à zéro pour plus avoir le bug en fait du son. Le CBA. Ouais, bah après, il y a les limites du jeu, hein, quand même. Hein. Hop, paf, 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 paf. On change de cabine. Prends-toi. On valide. Là, j'ai encore le carré, donc il faudra que je mette le carré. Hop. C'est tout bon. Attendre que les freins se desserrent. Je suis en traction, marche avant. Donc, pareil, franchissement à 15.
La 22 000 sera aussi complète que la 26 000 ou pas? Bah, personne sait, sauf lui, mais je pense que oui, elle sera aussi complète. Vu le... C'est pas son style de faire un travail à moitié, traîneau, donc... Oui, oui, je pense qu'elle sera aussi complète, hein. Y a pas de doute à avoir là-dessus. Mais, après, on sait pas, hein. Mais, je pense que oui, y a pas à chercher, elle sera très complète. Là, je regarde un peu fort. Non, ne mets pas accostage en douceur. Hein. Hop, voilà, j'étais un peu loin, là ça valait mieux. Voilà. Hop, parfait. On accroche. Non, pas ça. Merde, c'est de l'autre côté. Hop, voilà. Paf, paf, paf. Voilà. Essuie-glace. Et du coup, YouTube, c'est la fin de la VOD. On se retrouvera une prochaine pour la suite.